aussi. Coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec un tout petit haul action. J'ai pris le reste du bloc qui il me manquait parce que j'ai trouvé enfin, même si j'ai pas trouvé comme je voulais, mais je vous parle quand on va arriver au bloc. Et j'ai pris quelque chose dans le magasin Boot aussi, du coup je vous montre ça tout de suite. On va commencer avec le magasin Boot parce que j'ai pas pris grand chose. On a pris une tasse comme ça, c'est marqué thé, il est rouge comme ça. Et j'aime bien la forme ici, on voit qu'ici il est beaucoup plus large et ici beaucoup plus petite. Il a la forme comme ça. Parce que ça, on peut mettre facile dans la voiture, comme ça, dans l'espace où on peut mettre les tasses. Et ça, c'est génial. Parce que des fois, je prends mon petit café, je mets dans la voiture comme ça et on part. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai pris direct, il n'était pas cher, il était au prix de 2,99€ ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça, j'enlève après. On a pris cette tasse. Toujours dans le même magasin, au prix de 4,99€, j'ai pris trois petites coupes comme ça. On peut faire un petit coupe de 31 sur 31. Du coup, il fait 31 comme ça, 31 comme ça, 31 comme ça. Il est parfait pour mettre dans les meubles Kallax. Et ça, j'ai pris trois, cette couleur beige comme ça, pour mettre dans ici, dans ma scrap room, dans mon meuble Kallax. Voilà pour les trois. Ça c'est tout au magasin Boot. Maintenant on va passer au magasin Action. J'ai pris un classeur comme ça, classique, tout simple, bleu, tout simple. Des pochettes comme ça, un paquet de 25. Ça pour mettre dans le classeur avec les pochettes, comme ça on peut compartimenter différemment. Et il y en a 10 à l'intérieur, couleurs différentes. Voilà. Et un porte-vue comme ça, on a 20 pochettes à l'intérieur. Ça, j'ai plusieurs à la maison. Moi je l'utilise beaucoup pour mettre mes feuilles de die-cut de tous les blocs Action. Voilà, les porte-vue comme ça. Et ici, on peut noter, par exemple, c'est les die-cut Noël, ou c'est les die-cut, je sais pas, ou les années, ou ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez. De toute façon, il est sympa comme, pour organiser plein de choses. À l'intérieur. Après, j'ai pris une tasse comme ça, rose. Vous savez très bien que j'adore les tasses. Et en plus, les grandes tasses, parce que moi, je bois du café au lait. Et du coup, je bois tout le temps une grande café chaque fois. Et pour le thé aussi. Et je trouvais trop mignon celui-là, de cette rose comme ça. Je trouve très sympa. Du coup, j'ai pris cette tasse. Au rayon Noël, j'ai trouvé ça. C'est des petites poupées anges. Décoration Noël, c'est marqué derrière. Et il y avait plusieurs modèles différents. J'ai pris les trois. Mais après, mon mari, il m'a dit, bah, t'as pas bien regardé parce qu'il y avait plusieurs modèles, pas que trois différentes. En fait, chaque fois, ça change les robes. Les robes et des fois les bonnets aussi. J'ai pris déjà celui-là. Ça, on peut mettre dans le sapin. Mais on peut utiliser pour décorer nos créations aussi. Moi, bien sûr, je vais utiliser pour décorer mes albums Noël. Je les trouve trop belles. Je vous montre tout de suite. Et je pense que la prochaine fois quand je veux aller, je vais prendre encore parce que je veux utiliser pour décorer mon sapin aussi. Je les trouve trop mignons. Du coup, je vais prendre plusieurs. On a celui-là comme ça. Les pieds sont comme ça faites avec la ficelle et ça. Et j'ai regardé et j'ai vu ces actions qu'on a ça aussi dans le rayon Noël, que la tête. On peut réaliser nous-mêmes des poupées comme ça à la maison. Du coup, on a celui-là. Ici, il est comme ça. Franchement, c'est une très bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée. J'aime beaucoup et... c'est sûr que je vais prendre pour utiliser dans mon sapin aussi parce que c'est une décoration que j'aime beaucoup. Et comme ça, je peux utiliser dans mes albums aussi. Celui-là, par contre, il a les pieds avec un fil à l'intérieur qu'on peut bouger. Par exemple, on peut mettre comme ça et il reste assis. Ou sinon, on peut laisser les pieds normal comme ça. Voilà. Et c'est celui-là. Ils ont mis... Hop,
ça un peu sur le visage. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec des morceaux de tissu et tout ça, on peut faire des très jolies choses. Voilà. Hâte de mettre ça dans mon sapin, dans mes albums Noël. Du coup, restez là, pas trop loin, parce que quand on va commencer les albums Noël, on va faire des pépites. Et on a celui-là. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve trop mignon les poupées comme ça. Je trouve trop, trop mignon. Voilà. Ça, pour décorer la couverture avec plein de choses à côté, ça va être génial, génial. Après, j'ai pris deux petits blocs comme ça. Ils font 15 sur 30. Oui, 15 sur 30. Et je veux faire un album 15-15 avec un mini-album. Ça va être un tout petit. Ou sinon, même un album 15 sur 20 et quelques. Parce qu'on peut aller jusqu'à 30 comme ça. Du coup, on peut faire des tailles différentes. Et je veux les utiliser. Du coup, on a des papiers assez simples. 3, 4 chaque fois. Avec le foil, celui-là. J'ai beaucoup aimé cette page, par exemple. Je trouve trop belle. Ah, voilà, foil. Celui-là, il est assez chargé. J'aime pas trop. Mais le reste, comme ça, je trouve sympa. Celui-là. En fait, on a des pages avec le foil, mais on a des pages avec le glitter aussi. Parce qu'ici, on a du glitter. Et là, on a du foil. C'est pas marqué. Non, c'est pas marqué, mais on a du foil et du glitter aussi. Voilà, cette page avec les étoiles. Celle-là où c'est marqué ho ho ho. Et j'aime beaucoup parce que le O ici, c'est fait avec des bonbons. Trop sympa. Et c'est le dernier. Même celle-là avec le foil, il est trop beau. Voilà, pour celui-là. Il y avait plusieurs modèles différents, mais j'ai pris que les deux. Et le dernier, c'est celui-là. J'aime beaucoup cette page. Il est vraiment simple, mais trop sympa. Toujours foil et glitter. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Celui-là aussi avec les petites fleurs. J'espère que ça se voit bien. Plutôt comme ça. Ah, celui-là, il est vraiment trop, trop sympa avec le foil comme ça. Et les fleurs, il est trop bon. Celui-là aussi. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Avec le foil. Et celui-là aussi, je trouve trop beau. Voilà. Pour le bloc comme ça, et je vous montre encore une fois celui-là, juste comme ça, les pages. On a tout ça comme page. Voilà. Et j'ai pris les blocs 30-30. J'ai pris un seul comme ça. J'avais envie de dire une fois. J'ai pris un seul comme ça, le noir. C'est pas non plus mon préféré, mais j'aime bien. On a ici les petits numéros pour faire des calendriers d'avant. Ici, ça on peut utiliser même sur une couverture ou des choses comme ça. Je fais pas trop des calendriers, du coup, je vais utiliser pour des albums December Daily. Je sais pas si je vais faire cette année, mais de toute façon, des albums on va faire sur. Désolée pour mon téléphone. Chaque fois, j'oublie d'arrêter le son. Ici, les jolies cartes. J'aime beaucoup les cartes. Cette page aussi, il est sympa. Il est vraiment simple, mais vraiment assez simple. Les cartes aussi sont simples et avec le foil. Voilà, pour celui-là, j'ai pris juste un seul. Celui-là, c'est mon préféré. J'ai pris deux. Et franchement, j'avais envie de prendre trois, mais je me suis dit, il faut que je me calme parce que après, je fais une vraie collection. Ici, on a en fait tout ça. Si on va découper, on peut faire une boîte.
Et je pense qu'on va faire un tout mini album pour mettre dans cette boîte. Je pense. Parce que j'ai trop envie de faire ça. On va voir. On va voir une fois qu'on va découper la boîte exactement quelle taille il va faire. Même si je pense qu'on peut mesurer tout de suite. Bah en fait, il va faire 14,3 sur 10. Du coup, ça va être vraiment une toute petite. Mais je pense que c'est une pas mal idée. J'attends votre avis. Si vous voulez qu'on essaye, qu'on fasse cette boîte. Et aussi qu'on prépare un petit, tout mini album pour mettre en intérieur. Pour mettre juste des photos comme ça, quelques photos comme ça. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà, j'adore cet album. Et il va très bien avec tous les albums paper, blog et les cartes DIY avec les animaux. Pour ça, j'ai dit qu'ils ont sorti cette année vraiment tout. Il va très bien ensemble. Regardez-moi ça à découper. C'est trop mignon. Ils ont fait même le contour comme ça on peut découper tout autour. Voilà. Franchement, trop joli celui-là. J'aime beaucoup. Les cartes sont magnifiques. Juste pour les découpes et pour les cartes comme ça, j'ai vraiment envie de prendre encore un. Les tags aussi sont magnifiques. Je veux bien l'utiliser partout. Ça, on peut même faire pour une couverture d'album. Il est vraiment magnifique. Ou même juste découper là, cette image. Découper là, cette image. Et on peut faire de très belles choses. Quand j'ai vu cette bloc, j'avais plein d'idées dans la tête. Du coup, je dis oui, celui-là, il me faut. Parce que si, quand je vois un bloc, j'ai tout de suite plein d'idées. Je vois plein d'albums dans ma tête. Du coup, oui, c'est un bloc pour moi. J'ai pris deux comme ça. Après, j'ai pris celui-là aussi. Si je trouve encore un, je vais prendre encore un. Mais il y avait juste celui-là dans le rayon. Du coup, j'ai pris le seul. Celui-là, il est avec le foil. Et je le trouve aussi trop beau. C'est celui-là et celui-là, le vert avec les animaux, c'est mes préférés. Ici, on peut faire des petites boîtes maison comme ça. Et après, on a des belles images, belles pages. Regardez-moi ça, comme c'est bon. C'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup. Cette page aussi, il est toute mignonne, toute comme des bonbons. Chocolat chaud et tout ça. Ça, on peut découper. Ou sinon, on peut vraiment utiliser pour faire des fonds de carte comme ça. Ça, c'est trop beau. Cette page aussi, elle est vraiment très belle. En fait, toutes les pages, j'adore de cet album. Comme dans l'autre aussi. Mais celui-là, il est beaucoup plus peps, beaucoup plus coloré par rapport à l'autre vert. Ici, on peut faire même des menus. Parce qu'ici, c'est marqué Christmas Dinner, le repas de Noël. Et on peut couper comme ça, hop, plier ici en deux et on fait des cartes. Ici, on a une très jolie image. À l'intérieur, on peut mettre qu'est-ce qu'on veut. Et ici to start, c'est l'entrée. Après, on peut mettre ici le plat et ici le dessert. Franchement, ça c'est une très bonne idée, c'est pas mal. Mais si on veut pas utiliser comme ça dans un sur la table ou dans l'album, on peut pas insérer ça. En fait, on peut juste découper ça et faire des die cuts ici, on peut faire des die cuts. Et ça, les quatre, on peut garder pour mettre sur la table. Voilà. Parce que moi, franchement, même si j'ai pas des invités, on est que nous, que les cinq, j'aime bien faire une jolie table pour Noël. En fait, qui les enfants et nous aussi, on a l'impression qu'on est vraiment dans un resto bien servi et tout le reste. Du coup, j'aime bien faire des petites attentions comme ça, comme les menus et tout ça, et mettre sur la table. Voilà, pour les pages, les cartes sont magnifiques. C'est des très jolies cartes. Les tags aussi. Les pages aussi. On peut dire, franchement, on peut rien dire. Ils sont trop bons.
Voilà, ça par exemple, si je n'utilise pas d'un album, je peux découper et faire le petit calendrier pour les enfants. Et je mets dans des petits sachets ou dans du papier cadeau, je mets les petits cadeaux et un numéro comme ça sur chaque pochette. Et comme ça, j'ai trois blocs différents, je mets à chaque enfant un petit numéro et comme ça, il pêche chaque fois le numéro qu'il faut pour la journée. D'ailleurs, je veux commencer à préparer tout ça et on va faire ça ensemble dans les vlogs. Je commence petit à petit à acheter qu'est-ce qu'il me faut pour tous les trois. Comme ça, j'achète pas tout d'un coup. Et comme ça, je prends vraiment des petites choses pour avoir chaque jour quelque chose. Mais des petits cadeaux. Et le troisième, non, c'est le quatrième modèle. Parce qu'on a le noir, le vert. Celui-là avec le candy. Welcome to Candy Can Land, celui-là. L'autre c'était Christmas in Forest. Et le premier, je vois pas. I'll be home for Christmas. I'll be home for Christmas. Et celui-là, c'est Believe in the Magic of Christmas. Crois dans la magie de Noël. Oui, je crois dans la magie de Noël. J'adore Noël. Et voilà pour celui-là. J'ai pris juste un seul pareil. Il n'y avait qu'un seul dans mon magasin. Ici, on a des pages avec des fleurs, sapin. Celui-là, je pense que je veux garder juste un seul. Même si, franchement, j'aime bien. Même ici, les numéros. Par exemple, ici, les numéros, je vois bien découper tous les die-cuts. Celui-là, 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 parce que c'est des grands. Même ici, découper le Père Noël, découper ici le petit hibou, je vois bien ça comme die-cut utilisé à l'intérieur. Ici, c'est une très jolie page, même s'il est assez chargé. Si on sait comment découper la page et tout ça, on peut facile insérer dans l'album. Mais de toute façon, on va faire ça ensemble. Celui-là, j'aime beaucoup cette page. Encore une fois, des fleurs. J'ai l'impression que c'est des hibiscus. Je pense qu'ils s'appellent les fleurs comme ça. J'aime beaucoup. Les cartes aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les cartes comme ça. Elles sont trop, trop, trop sympas. Ça, c'est une page assez simple. Assez simple. Vraiment simple, plutôt. Ici, pareil. On peut utiliser les cartes comme ça. Ici, faire du journaling. Ou sinon, juste découper les petits animaux et faire des die-cuts. Ça aussi, on peut découper les ronds comme ça. On peut faire des très jolis die-cuts. Ici aussi, les deux bons comme ça. Ça, on peut utiliser, par exemple, sur la couverture. On peut faire, par exemple, je vous passe juste un exemple. Comme ça, une couverture. Avec ici tous les petits jouets, le cœur et tout ça. Et rajouter à côté, comme ça, en 3D, une petite poupée. Ou sinon, même la rouge. Comme ça. Et c'est vraiment trop, trop, trop sympa. Imaginez ça comme couverture. Voilà, comme ça. Ah, je trouve que c'est très bon. C'est vraiment très bon. Même ici, comme on dirait que c'est une boîte, ici on peut mettre un peu en 3D, on peut faire plein de choses sympas, franchement, plein de choses sympas. Et hâte de faire ça avec vous bientôt, parce qu'on va commencer bientôt les projets Noël. Ici pareil, on peut découper, ou sinon on peut utiliser comme carte, comme grande carte, grand tag. Voilà, et la dernière page c'est celui-là. Voilà pour les blocs actions. C'était un haul petit, mais quand même assez grand parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Au moins, vous savez quel bloc on va travailler cette année parce que c'est que ça qu'on va travailler cette année. Ça fait quand même déjà pas mal, 4 blocs. Plus les petites, ça fait quand même du travail. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.